L'avenir qu'on voit aujourd'hui à la CGT, c'est un avenir combatif. On est très content des mobilisations qui interviennent. Malheureusement, évidemment, la loi El Khomri est ce qu'on a dit pendant tout le long de ce lundi de gauche, la goutte d'eau qui fait déborder un vase qui était déjà bien rempli. Mais au final, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le progrès des conditions de travail, pour même le progrès social de manière générale, parce qu'on a la sensation que plus que jamais, les gens sont prêts à reprendre la parole dans le débat public, à aller vers les organisations qui veulent les aider, faire construire ensemble une société nouvelle, et donc on est très content. Les mobilisations évidemment vont se multiplier, mais ce ne seront pas seulement des manifestations dans la rue, mais aussi des réunions comme ce qui est en train de se passer le soir à Paris, donc c'est la nuit debout ou d'autres choses de la sorte, des réunions spontanées où les personnes, les citoyens ont envie de se rencontrer, d'échanger et de faire changer les choses dans la bonne direction.